Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve en extérieur et aujourd'hui première vidéo un petit peu sur la BMW. On va commencer par le commencement, on va nettoyer l'intérieur. Alors pas de présentation de produits, pas tout ça, vous savez, ça c'est les produits qu'on a validés pour le nettoyage des cuirs sur la chaîne YouTube. Donc c'est disponible sur notre boutique officielle où on recense les meilleurs produits. Donc je vous ai montré à quoi ça ressemble. Maintenant je vais tout simplement utiliser, c'est exactement les mêmes produits que j'ai déjà utilisés sur mes propres véhicules. Ça me sert à rien de rentamer un flacon. Donc je vous ai juste mis ça sur l'étagère pour que vous voyez ce que c'est sur la boutique. C'est de la marque Colour Lock. On va utiliser également du HMG pour tout ce qui va être plastique. Donc là c'est ce qu'on appelle le cuir étendu. Donc on a les sièges, les appuis-têtes, des parties du tableau de bord. Bref, il y a 90% de la voiture qui est en cuir, donc du coup on va nettoyer la voiture avec 90% des produits à cuir, et pour le plastique on utilisera le fameux HMG. Des petites microfibres pour essuyer tout ça, et là les amis, aujourd'hui l'opération c'est d'essayer de retrouver des cuirs parfaitement propres. La voiture a 21 ans, elle a 230 000 km. Ça c'est mon côté maniaque, dès que j'ai une voiture, avant même de faire la mécanique, la première chose que je fais c'est le nettoyage, et vous allez voir pourquoi, à quel point les volants et les sièges ça peut être extrêmement dégueulasse. Quand il y a eu plusieurs propriétaires, je pense que le commencement c'est de laver la voiture. Donc les amis, on va ouvrir tous les carreaux et toutes les portes pour qu'on ait un petit peu de luminosité. C'est aussi pour ça qu'on le fait dehors. Donc les amis, c'est parti, je vous montre un petit peu l'état de l'intérieur. Même s'il est propre, il est vachement dégueulasse. Bon, la première étape au niveau du cuir, ça va être le nettoyage. Là vous avez du puissant ou du doux. Moi je fais toujours puissant la première fois et ensuite j'entretiens avec du doux. Donc j'ai les deux, mais là aujourd'hui on va utiliser le puissant. Ensuite il y a ce qu'on appelle la lotion protectrice qui elle va venir nourrir le cuir et éviter qu'il sèche. Donc ça c'est les deux produits, la brosse pour tout simplement appliquer et nettoyer les supports, et la microfibre pour essuyer la crasse. Munissez-vous de plusieurs microfibres parce que je vous assure que c'est vraiment dégueulasse. Donc moi je vais faire plusieurs passages, au moins deux. D'abord avec une microfibre dégueulasse, ensuite avec une microfibre propre. Allez, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Bon, alors il faut savoir une chose, contrairement à plein d'idées reçues, il y a des gens qui pensent que plus le cuir brille et plus il est nourri, plus il est propre. En fait, c'est pas du tout vrai. Un cuir propre, c'est un cuir qui reste mat. Il faut savoir que quand vous avez un cuir qui est brillant comme là, en l'occurrence on voit bien, c'est bien brillant au niveau des mains, etc. Bah ça, c'est uniquement de la crasse. Alors ne comparez pas avec cette partie-là où là le volant est usé. Donc là, il n'y a plus de pigment de couleur sur le cuir. Donc la croûte de cuir n'est pas abîmée, mais la teinte du cuir est abîmée. Donc là, il faudra que je reteinte mon volant. Ça, c'est différent. Ici, on voit bien le côté lisse du volant et qui a perdu un petit peu les sculptures du cuir. Ça, c'est de l'usure. Par contre, tout ce que vous voyez là de noir vraiment poli, brillant, etc., ça, c'est uniquement de la crasse. C'est le sébum des mains quand vous conduisez ou que vous avez les mains sales qui vient tout simplement polir le cuir, donc remplir les pores du cuir, le polir. Et ça, c'est de la saleté pure et dure. Et vous allez voir, on devrait retrouver un volant d'un cuir mat. Alors forcément décoloré parce qu'il y a de l'usure, mais on devrait retrouver quelque chose de très propre. Pareil sur les sièges. Vous voyez là avec le soleil, le cuir, il est brillant. Normalement, il ne doit pas être comme ça, le cuir. Vous allez voir, on va faire d'abord le siège conducteur et après vous allez voir le siège passager, vous verrez la différence. Là vous avez de la peau de cuir, là c'est pareil, ça brille, enfin là on ne le voit pas, on est à l'ombre. Mais si je passe ma main ici, regardez là, vous voyez bien que ma main reflète sur le cuir. Donc ça, tout ça c'est sale. Après ici on a du plastique, donc là ici on va venir nettoyer toute cette partie là, c'est du simili cuir en plastique, je crois même qu'ici on doit être sur du simili sur la partie haute. Là on viendra nettoyer avec du HMG toutes ces parties là. On va faire tout l'avant, ça ne me sert à rien de vous filmer l'arrière pour vous faire une vidéo très longue. Ce qui est le principalement sale généralement c'est la place avant, ce qui est le plus utilisé. Donc on va vraiment faire un nettoyage sur l'avant, tableau de bord, etc. Et l'arrière, eh ben, ce sera fait hors caméra. Vous voyez également le tableau de bord, là, la planche. Alors, elle est propre, c'est bien, mais elle brille. On dirait que ça a été ciré. Ça, alors, je ne sais pas si c'est du simili cuir ou si c'est une croûte de cuir. Dans ces cas-là, ce sera soit nettoyant cuir, soit HMG, mais ça ne doit pas briller comme ça. Ça, c'est vraiment les produits qu'on met à pas cher, qui sont tout gras d'ailleurs, ça se sent, hein. Vous passez la main dessus, c'est tout gras. Donc les amis, c'est parti, on va commencer par nettoyer les commandes, donc volant, pommeau de vitesse, et je pense que vous allez être surpris de l'avant après. Donc là on met la mousse, donc là le produit il se met sous forme de mousse, on vient brosser le volant, et là vous allez voir, je vais essayer de vous délimiter juste une petite partie, j'ai pas de quoi séparer. Bah alors mon gros, viens, bon on va avoir de la compagnie, hop, voilà, et il veut voir aussi comment on nettoie une voiture. Ça te plaît? Tout va bien? Impeccable? Bon, c'est le principal alors. Alors regardez là la couleur que prend ma mousse, hein. C'est-à-dire que la mousse est censée être blanche.
Regardez, vous voyez la microfibre hein, qui est propre, mais bah regardez. Voilà. Ça, c'est pas la peinture du volant qui s'en va, hein. C'est des produits spécialement pour le cuir. C'est juste de la crasse. Ça, c'est de la saleté pure et dure. Et là, vous allez voir, la partie que j'ai faite, elle est plus brillante. Si vous reprenez ici, là, on a vraiment un noir très brillant. Et là, on a un noir qui n'est plus brillant. Donc là, je vais quand même repasser parce qu'il y a quand même une sacrée couche de merde. Et puis, bah, je vous mets un petit timelapse sur tout le volant. C'est assez impressionnant la merde qu'on peut retirer sur un volant. Je serais curieux de faire une petite analyse en laboratoire et je pense qu'on serait tous dégoûtés de ce qu'on pourrait trouver sur un volant de voiture. Bon, en plus vous le voyez, hein, pour ceux qui ont un doute, on le fait sous haute surveillance. Donc là on voit très bien sur le volant la différence entre la partie que j'ai nettoyée ici et la partie qui est ici. Là on voit bien qu'on a un cuir qui est noir mat. Et ici, vous voyez qu'on a vraiment un truc très dégueulasse, très brillant sur toute la partie du volant que j'ai pas nettoyé ici. Et là, on s'en rend bien compte. Si on regarde en bas, là, qui est à l'ombre, j'ai vraiment un noir mat. Et là, j'ai vraiment un noir très brillant. Donc là, bon, on va terminer le volant et on verra avant, après. Bon, les amis, on a terminé sous haute surveillance. Donc maintenant, on en a un qui est arrivé derrière et l'autre qui est ici. Regardez un petit peu l'état du volant. Alors, je n'ai pas restauré du tout le volant, je l'ai juste nettoyé. Et ben là, on a l'impression que le volant est beaucoup moins usé que tout à l'heure. Parce que toutes les parties qui étaient très sales, du coup, ont été nettoyées. Donc, elles font moins patiner. Et à l'inverse, les parties qui étaient du coup plus usées, et donc là où il y avait moins de saleté, du coup ressortent moins. Donc on a une différence qui est moins importante, ce qui fait qu'on a l'impression que le volant est moins usé. Alors bien évidemment, on n'a pas réparé le volant, qu'on soit bien d'accord, mais on a un volant qui est propre. Mais regardez juste ce qu'on a retiré de merde sur le volant. Donc là, c'est uniquement sur le volant, recto et verso, hein. Donc imaginez un petit peu la merde que contient un volant. Avant de faire la mécanique sur une voiture, quand je l'achète, la première étape c'est le nettoyage. Quand c'est votre crasse, ça va encore, mais quand c'est la crasse des autres, c'est pas terrible terrible. Donc là les amis, on va faire le petit pommeau de vitesse ici qui est bien patiné aussi parce que bah le sébum des mains, etc. Donc là on voit bien qu'il est un petit peu usé sur le dessus ici, d'accord. Mais on voit bien que là il est bien brillant. Donc là on va nettoyer ça et après on va s'attaquer à mon assise. Ça va ? Confortablement installé ? C'est ce qu'on appelle une aide psychologique. Donc ça, c'est quand même moins sale que le volant. Et encore que, je suis pas certain. Voilà, et là on voit direct que le cuir n'a pas la même couleur. Et bien maintenant qu'on a retrouvé un pommeau de vitesse digne de ce nom, on va pouvoir s'attaquer à l'assise. Bon les amis, on se retrouve avec une microfibre propre et toujours la même technique. Et on va nettoyer le cuir. Je vais essayer de délimiter le demi-siège pour vraiment vous montrer la différence de gauche à droite. Parce qu'on n'a pas la même saleté sur un siège conducteur qu'on en a sur un siège passager. Donc je vais essayer de m'efforcer de vous montrer ça correctement. Bon, alors là, faut que je fasse attention parce que vu qu'il fait chaud aujourd'hui, le produit a tendance à sécher rapidement. Donc là, microfibre propre. J'essuie, voilà. Voilà un petit peu ce qu'on peut retrouver sur un siège. Quand je vous dis que c'est extrêmement sale, bah maintenant, vous allez vous asseoir en pensant à autre chose sur votre voiture. Bon, je pense que, je sais pas vous à la caméra si vous voyez bien. Mais moi, ça me semble radical. Je me mets au niveau du soleil pour que vous soyez à l'ombre. Ici, vous vous souvenez, on a un cuir sale qui est brillant, ce qui se voit très bien, hein, ça fait tout brillant. Et là, on a un cuir propre qui est toujours noir, mais qui est mat. Regardez, si je passe ma main là, ça reflète pas. Si je la passe là, j'ai une ombre. Ça, c'est un cuir propre, ça, c'est un cuir dégueulasse. Voilà comment on peut récupérer avec des bons produits un beau cuir. Donc là, moi, je vais terminer l'intégralité du siège et je vous mettrai une photo avant-après. Du siège et vous allez voir que ça n'a absolument rien à voir. Même au toucher, hein, là on a vraiment quelque chose qui glisse pas, que là on a un truc, voilà, tout dégueulasse. Donc c'est parti, je nettoie tout ça.
Bon les amis, ça y est, on a terminé l'assise conducteur. Alors, même compte rendu que sur le volant, on a un cuir qui est beaucoup plus mat. On a des traces d'usure ici quand on rentre dans la voiture qui sont du coup moins importantes parce qu'il y a moins de différence de teinte avec le cuir qui était gras, qui était sale. Pour vous donner un ordre d'idée, hein, ça c'est une microfibre que j'ai utilisée juste pour l'assise conducteur. Recto verso. Voilà, je pense que ça parle d'elle-même. Hein. Encore une fois, c'est pas la teinte du siège qui s'en va, c'est vraiment la saleté. Si ce serait la teinte du siège, j'aurais les doigts noirs et là quand je les passe dans l'eau, je n'ai plus rien, donc c'est uniquement de la crasse. Donc voilà, c'est juste pour imaginer un petit peu à quel point une voiture ça peut être dégueulasse quand on n'y accorde pas un minimum d'hygiène. Donc là les amis, on va rester sur la place du chauffeur. On va venir attaquer un petit peu les portes. Donc là on va s'attaquer avec nettoyant cuir sur les parties en cuir, nettoyant HMG sur les parties en plastique comme celle-ci. Bon, donc là, on s'est occupé de la partie cuir ici, qui est réellement du cuir. Le reste, ça, c'est du simili. Et ça, c'est pareil, c'est du simili. Donc, j'ai utilisé le HMG. Bah, je sais pas si vous voyez bien à la caméra, hein, mais là, le cuir, même résultat que sur le reste. Et là, on a quelque chose qui n'est plus brillant, qui a retrouvé un petit peu un côté mat qu'on avait d'origine. Donc là, forcément, on a le soleil qui tape ici, donc c'est peut-être moins flagrant pour vous. Mais si on prend la surface qui est à l'ombre, on voit bien que ça, c'est, il n'y a plus de brillant. Effet ciré. Alors après, si certains aiment l'effet ciré, attention, hein, y a des produits qui donnent un effet ciré. Moi, personnellement, je suis pas fan du truc brillant, etc. Je trouve que c'est gras au toucher. Donc j'aime bien une surface propre, d'origine, basta. Donc là, je m'échappe un petit peu de la partie conducteur. C'est juste une question de facilité de filmer parce qu'ici, on a ce qu'on appelle la casquette. Et donc avec la caméra, je vais pas pouvoir vous montrer. Donc je vais vous montrer sur cette partie-là. Et après, moi, je terminerai en timelapse toute la voiture. Donc là, c'est parti, HMG. On va essayer de délimiter un petit peu. Donc là, maintenant, je pense que vous avez tout de suite compris ce que je vous expliquais. Là, on retrouve un simili cuir qui a la couleur du cuir. Donc, on rappelle cuir mat. Et là, vous avez le même simili cuir qui est bourré de produits brillants, donc les produits qu'on peut trouver dans le commerce à pas cher, qui vous donne un aspect que c'est propre, mais en fait c'est dégueulasse, c'est tout. Donc là on a quelque chose de propre, et là on a quelque chose de dégueulasse. Et je pense que ça se voit assez, voilà. Là, regardez le soleil, comment là il reflète, regardez ma main, et regardez ici. Là on a vraiment un truc qui brille, et là on a une surface qui est terne, qui est propre, c'est aussi simple que ça. Donc là maintenant je vais terminer tout le tableau de bord.
Bon les amis, maintenant qu'on a nettoyé tout le véhicule, donc on a fait les plastiques, les cuirs, ensuite on va faire les vitres et les tissus, mais avant ça on va protéger notre cuir. Donc là c'est une lotion protectrice, on met directement sur la microfibre et là on vient l'appliquer absolument partout où on a du cuir. Donc là on étale, on laisse dessus et au bout d'une petite heure, s'il y a un excédent, on vient l'essuyer avec une microfibre. Donc là ça donne un aspect un petit peu gras, mais en fait pas du tout. Une fois que ça va rentrer dans le cuir, ça va lui l'imperméabiliser, lui donner une protection et le nourrir. Et si on en met un petit peu trop, bah c'est pas grave, une heure après on vient, on essuie l'excédent et c'est fini. On fait vraiment toutes les parties où on a du vrai cuir. Ça sert à rien de le mettre sur du Sky, c'est gaspillé. Donc ça fait partie du pack, hein. Sinon vous pouvez l'acheter au détail. De toute façon je vous mettrai tous les liens des produits que j'utilise dans cette vidéo en description, puisque 100% des produits que j'utilise sont des produits qu'on a validés sur la chaîne YouTube. Donc là on frotte pas, on applique vraiment une couche uniforme partout et après on laisse vraiment le cuir boire. Mais là on laisse vraiment le cuir se nourrir, c'est aussi simple que ça. C'est vraiment un produit qui va rentrer dans le cuir, qui va venir nourrir, parce que le cuir c'est une matière, ce qu'on appelle vivante. Donc c'est une matière qui a besoin d'attention pour pas que ça craque, pour pas que ça sèche, pour pas que ça fissure. Donc là ça va rentrer dedans, après ça va faire une sorte d'imperméabilisation. Et ça c'est un produit qu'on peut appliquer tous les 4 mois. Donc bien évidemment avant d'appliquer un produit pour nourrir le cuir, il faut bien évidemment nettoyer le cuir. Sinon vous allez nourrir la crasse mais pas le cuir, vu que la crasse va rendre imperméable votre cuir et l'empêchera d'être nourri avec une protection. Donc là ça redonne un aspect patiné brillant, mais une fois que ça va être sec, vous allez voir, il n'y a plus du tout cet aspect brillant qu'on a au moment où on l'étale. Donc là maintenant on va s'attaquer aux vitres avec le Glass Perfect. Bon et bien les amis, maintenant que l'intérieur est nickel, il nous reste quelques petites choses à faire dans le coffre. Dans le coffre, le fond du coffre est vraiment taché, vraiment très sale. Je ne sais pas si on va réussir à le retirer, mais en tout cas on a un super nettoyant pour les tissus. Donc je vais quand même tenter, je ne sais pas si c'est des taches de quoi. Donc là on va se retrouver dans le coffre. Idéalement pour perfectionner un petit peu l'intérieur, vous pouvez également nettoyer tout ce qui va être tissu ou tapis. Personnellement, je m'embête pas, les tapis je les mets à la machine à laver, c'est bien plus rapide et je fais uniquement les tâches. Si vous avez une injection extraction, vous pouvez mettre le produit qu'on va utiliser dans le coffre pour nettoyer, ça marche parfaitement également. Là, comme on va faire dans le coffre, à mon sens, c'est vraiment sur les tâches ou les tissus style siège qui sont vraiment très sales. Mais si on fait toute la voiture comme ça, ça prend quand même pas mal de temps. Allez, c'est parti. Donc là, on va se retrouver dans le coffre. Et là c'est vraiment cracra. Vous voyez, là je vais passer quand même un petit coup d'aspirateur avant de nettoyer. Et on a des taches ici. Alors je ne sais pas si on va réussir à les retirer très honnêtement. Parce qu'on voit bien que là où il y a des taches, il y a déjà eu des frottements. Donc il y a déjà eu des gens qui ont essayé de retirer. Et des fois quand on retire, on fait pire que mieux. Puisqu'en fait on vient tout simplement incruster la saleté dedans. Donc là on voit bien, là c'est clairement du gras. Et ils ont frotté et du coup ils ont abîmé le tissu ici. Bon, qui ne tente rien n'a rien, du coup on va tester les produits pour retirer ça. Donc là on a une petite tache ici, une auréole ici et une auréole ici. Donc là on va passer un petit coup d'aspirateur, après on badigeonne de produits, on brosse et on essuie le produit avec un chiffon. Bon les amis, là on va utiliser le nettoyant tissu, donc ça c'est un produit de la marque HPC qu'on a validé également. Maintenant, bon, je peux pas vous garantir qu'on va réussir à tout retirer parce que là... on voit que ça a quand même déjà subi quelques tentatives. Donc là on vaporise abondamment sur la tâche. On prend une brosse. Et là on sent bien que c'est une bonne merde. C'est bien épais, bien collant. On dirait comme une graisse, c'est même pas de l'huile, on dirait une graisse. Et là on prend un chiffon absorbant, style couverture, voilà, drap de bain, et on essuie. Bon bah là vous voyez, il n'y a plus rien presque. Je vais repasser un coup pour la forme, mais voilà, honnêtement j'étais pas du tout convaincu. Et ce produit c'est un truc de malade.
Donc ça, vous pouvez l'utiliser en injection, extraction aussi, si vous en avez une à la maison. Et là, vous voyez. C'est pour ça que des fois, la tache, elle part pas immédiatement. Parce qu'en fait, quand vous brossez, vous allez dissoudre la tache dans le produit. Et quand vous allez repasser pour essuyer, et bien souvent, vous allez encore un petit peu étaler. Donc, il faut faire deux ou trois passages. Et bien, regardez, la pire des tâches, elle est partie. Donc là, on va faire la tâche qui est ici. Donc là, si vous voyez celle-ci, pareil, on va faire exactement la même technique. On vaporise abondamment. On va un petit peu plus large que la tâche. Et là, on voit bien, hein, la mousse, c'est là où il y a la tâche. On frotte. On prend un côté propre du chiffon. Bon, et vous voyez, il n'y a déjà quasi plus rien. Là, je repasse une deuxième fois. Et voilà, il n'y a plus de tâche. Donc là, il y en a une belle ici, une belle auréole. Et il en reste ici. Donc là, bon, on va faire exactement la même procédé. Ouais, bah les amis, ça y est, hein, je crois que ça parle de lui-même. On a réussi à retirer 100% des tâches du coffre. Je partais franchement avec la défaite en tête parce que les tâches là, on voit bien qu'elles avaient été frottées, etc. Et des fois, comme je vous dis, si on n'utilise pas les bons produits, on fait pire que mieux parce qu'on ancre la tâche dans le tissu. Mais pour l'instant, il y a zéro tâche. Depuis que je fais mes essais, il y a zéro tâche qu'on résiste à ce produit-là. Il est juste dingue. Voilà. Donc là, maintenant, on a terminé le nettoyage de la voiture. Ouais bien les amis, ça y est, c'est terminé pour cette petite vidéo. Donc je vous ai fait une petite vidéo avec un véhicule que je viens juste d'avoir sur un nettoyage complet avec tous les produits qu'on a validés. Bon, je vais vous montrer, je vais vous écœurer un petit peu, je vais vous montrer à quel point une voiture c'est dégueulasse. Et là vous allez tous nettoyer votre voiture. Ça, c'est notre volant si vous vous souvenez. Recto verso. Voilà. Ici, on a le siège conducteur. Recto verso. Ici, on a le siège passager, recto et verso. Ici, on a la banquette arrière. Donc là, on voit bien que c'est pas la peinture du siège qu'on retire, mais bien de la saleté. Sinon, ça aurait eu le même effet sur la banquette arrière. Et là, on voit que la banquette arrière, qui est généralement moins utilisée, est du coup beaucoup moins sale. Donc voilà un petit peu le compte-rendu pour le nettoyage. Donc je rappelle, on a utilisé une série de produits pour le cuir, nettoyant avec la brosse plus la lotion pour protéger le cuir. Là, c'est pour nettoyer les vitres. Là, c'est pour nettoyer tout ce qui est tissu tache, donc soit pour nettoyer le tissu, soit pour retirer les taches. Et le HMG, je l'utilise pour tout un petit peu toutes les surfaces, pour nettoyer principalement. Et après, je repasse un petit coup de nettoyant vite, notamment sur les vitres. Ou alors, pour les plastiques, c'est parfait avec la brosse, c'est impeccable. Donc voilà un petit peu les amis, évitez de penser que les produits qui font briller sont des produits qui nettoient votre voiture. Vous avez pu le voir sur la planche de bord, elle brillait, elle semblait propre et pourtant elle était sacrément dégueulasse. Donc voilà notre sélection, ça c'est les produits qu'on utilise que vous pouvez retrouver en description de la vidéo avec les microfibres. C'est des produits qu'on valide qui sont disponibles sur notre boutique officielle www.mylittlegarage.fr. Les amis, j'espère que cette petite vidéo sur le nettoyage de la BMW 530D vous a plu et on la retrouvera très prochainement. Prochaine étape, on va nettoyer tout l'extérieur avec l'incorporation du nettoyage de la BMW moteur et puis après on va s'attaquer à la mécanique. Allez les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Tous les liens sont en description de la vidéo. Vous pouvez retrouver tous les produits qu'on a utilisés également en description de la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir une notification pour les futures vidéos. Allez les amis, je vous dis à très bientôt. Ciao !